nous déjà gagné 100 paniers qui disponible pour plusieurs départements et encore 100 balles qui disponible et on a commencé du 15 au 17 octobre si Dieu veut dans ville Wanamet pour nous aller faire grand campagne de sensibilisation du nettoyage parce que là nous garder presque tous 10 départements pays d'Haïti sous Fatra, la marché sous Fatra, la boîte sous Fatra, la fait politique sous Fatra et parfois ça nous utiliser nous dit qui c'est Fatra pour nous même dans CMF payol payol le passé de rival recyclage. De rival recyclage, nous, ouais, li pa fatra parce que ou capable recycler fatra sa ou fait adoke avec du chè plastique avec, ou fait panier avec, ou fait balai avec. C'est même déchets plastiques sa ou, estrofom sa ou. Après, nous fin faire capable de sensibilisation de nettoyage dans la ville Wanamet. N'apre yo, nous va l'utiliser pour nous faire adoke avec du chè plastique avec ou. Et encore, pour nous continuer à faire panier balai pour nous mettre dans la ville Wanamet, dans tout point Wanamet. Et encore tout, après, j'en soutiens pour nous entrer au Cap, Jamel, Léogane, pour nous prendre tous les départements pays d'Haïti. Parce que je suis vraiment très mobilisé et nous-mêmes qui la jeunesse, c'est comme ça nous-mêmes nous avons contribué au sein de la communauté haïtienne dans le travail que nous avons fait dans le CMFP de Rival Recyclage et de passer pour Haïti. Attends, nous avons une question de nettoyage, ça a coûté en pile, ça a mené pour un camion, c'est une idée. Matériel, est-ce qu'il y a avec Timouette personnellement, nous sommes capables d'arriver pour travailler ça? Et est-ce que nous respondons pour ça? Pas que moyen. Bon, et ça fait matin, nous prenons la presse par l'écrit télévisé, quel que soit le département de rival recyclage, nous devons descendre à la mairie. Si vous voulez faire subir, vous pouvez nous faire subir nous-mêmes. Et ça fait nous lancer SOS pour nous, avec chaque éco-citoyen, organisation, association, moun nan diaspora ki gen volonté ki pou accompagner nous dans le rival recyclage CMFP pour nous capable gen 3 douzaine panier, 3 douzaine bouette, 3 douzaine poubelle pour nous capable faire travail ça et pour nous gen 3 cyclistes 3 roues pour nous capable ramasser déchets plastiques ça pour nous mettre dans circuit que nous mettre on a tout capter pour nous faire échange de recyclage panier balai adoquin avec déchets plastiques. Mais si la mairie toujours voulait, elle capable toujours ba nous support avec camion pour nous capable prendre fatra ça pour nous capable intervenir pour nous capable continuer faire échange séminaire avec quel que soit jeune dans département nous passer pour nous capable faire capable de sensibilisation du nettoyage capable de sensibilisation du nettoyage parce que l'offre prend fatra et pas seulement jeter nous même dans le rival recyclage nous pour nous recycler nous transformer. Ça peut faire adouken, ça peut faire balayer, ça peut faire rideau, valise, achat de l'eau pour nous capables d'avancer à long terme avec le travail que nous avons fait au sein de la communauté haïtienne. Mais nous avons pris dans Port-au-Prince, vous avez déchets plastiques. Nous commençons dans Port-au-Prince, mais à cause du problème d'insécurité, mais nous-mêmes nous toujours avancé pour nous faire tout ça possible dans le rival des cyclistes CMFP pour nous capables d'aboutir avec le projet. Parce que les nous garder, d'après les recherches nous fait. Si nous ne pas ça au sérieux depuis juin et jeudi, en 2034, il y a possibilité pour gagner plus de déchets plastiques et styrofoam dans la mer que de déchets plastiques. Parce que là, regardez, les gens se disent, la porte est légale, Clessine, Kafourita, c'est toujours des déchets plastiques et styrofoam qui cause canalisation, boucher, qui cause inondation. Et en même temps, les déchets plastiques, on y a bien tout ça là-dedans, qui cause des maladies sur santé, puis la dose, cancer, et donc ça fait nous-mêmes dans le rival recyclage. Parce que là nous visiter plusieurs autres pays nous est pays ça propre belle mais pourquoi pas en Haïti nous pas 5% jeunes qui recyclent des déchets plastiques transformés en matière Haïti. Est-ce que parce que jeunes pas mobilisé? Oui nous là nous mobiliser mais vraiment pour qu'on gain monde en Haïti qui comprend travail que n'a fait mais gain des monde au niveau de diaspora gain des associations qui commencent comprendre travail CMFP de rival recyclage à faire au niveau tout 10 départements pays d'Haïti. Alors, c'est un travail qui est très louable. Et après nettoyer ça, qui ça nous compte mettre comme méthode pour nous assurer que la ville est portée à Kembe? Ok. Après ça, nous allons faire une séance de formation pour 3 jours. Séance de formation, ça, c'est même pas très qu'on apprend. Pas très ça pour faire adoquin, à faire adoquin. Ça pour faire panier, faire panier. Ça pour faire balai, faire balai. Ça pour faire valise à chercher de l'eau, rideau avec déchets plastiques sur façon pour nous capables que la ville la propre. C'est même déchets plastiques qui peuvent continuer à fournir balai dans la ville encore avec même jeunes dans la météo. C'est même déchets plastiques qui peuvent continuer à faire panier pour déposer dans tout coin ville où on a mis là. Ok? Alors, c'est toutefois que vous voulez accompagner nous dans ce que nous voulons faire. Est-ce que vous avez moyen que vous voulez rentrer en contact avec nous? Oui, un numéro de téléphone est capable de contacter le comité staff de rival recyclage, une association, organisation, un monde qui veut supporter nous avec 12 bouettes, paniers, pelles,
avec le travail que nous allons faire dans la ville Wana maintenant, il est capable de contacter nous sur +509 38 71 57 90. +509 38 71 57 90. J'espère pas me côté et ou même. Parce que nous-mêmes, les gardé nouveau fatra en Haïti, nous-mêmes avec CMFP de Rivaliscal, nous passons avant 2034 à 68% nous capables de recycler des déchets plastiques, nous transformer. Même jeune l'autre pays a fait Canada, États-Unis, la France. Ou bien Canada, 56% de déchets plastiques qui recyclé chaque jour. Ou bien en Afrique du Sud, ou bien 52% de déchets plastiques qui recyclé et caoutchouc qui recyclé chaque jour. Ou bien en France, ou bien 22% de déchets plastiques qui recyclé chaque jour. En République Dominicaine, ou bien 27% de déchets plastiques qui recyclé chaque jour. Pourquoi pas en Haïti, nous avons 5% de jeunes qui recyclé des déchets plastiques transformés en matière utile. Est-ce que parce que nous avons volonté? Oui, nous avons volonté, mais nous pouvons des dirigeants qui comprennent le travail que nous avons fait en Haïti. Je dis à l'initiative de l'État de interpeller l'État haïtien, le mairie, le travail public, le monde ça, ou qui a fait longtemps dans le domaine ça, pour que les gens viennent une institution de l'État ça, qui accompagne eux, qui est là. Une seule chose, les gars, parce que le monde qui dit aussi dirigeant en Haïti, nous pas imaginer à partir du matin, midi, soir, ou à côté pays propre, côté pays belle. Mais c'est où l'État a senti que je sens vraiment pour ça, c'est capacité, volonté ou pas gain pour faire pays à propre, pays à belle. Mais si à partir du matin, midi, soir, il y a voyage, il y a pays pour pays belle, pourquoi pas en Haïti, la carte n'est pas à propre, la carte belle. C'est parce que nous pas gain volonté, mais nous-mêmes, nous pas à décider, nous-mêmes, peuple haïtien, de rivaliser à CMFP, nous pouvons décider nous dans main, nous dit que Fatra, pas supposé être sous le monde, parce que Fatra, capable de faire un pile de travail, même déjà avec notre pays à faire. Dans tout le monde entier. Merci. 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 Nous avons deux valeurs cyclables de 7 années côté que la recyclé des déchets plastiques et transformer en matière utile. Côté nous fait balai, nous fait panier, nous fait chaise en caoutchouc salon et nous fait adoquin avec déchets plastiques. Nous là, maintenant là, pour nous lancer une campagne de sensibilisation à Wanamet, dans la ville Wanamet, côté nous prenons. Et propre de l'Ouanamet, nous avons gagné balai, poubelle qui disponible. Nous avons été quelques matériels pour 3 douzaines de pelles, 3 douzaines de bourrettes pour nous faire travailler. Et la campagne de sensibilisation, c'est 15 au 17 octobre, si Dieu qu'elle a fait. Alors, côté idée, ça sorti. L'idée s'est sortie dans nous-mêmes, dans le stade de l'Ivalestinage, côté que nous sommes allés dernièrement dans Wanamet avec YOLPA, nous l'autre conseil pour Haïti, qui est une organisation socio-culturelle, côté que nous sommes allés bailler ciment, nous sommes allés bailler quelques matériels, et nous trouvons que c'est essentiel pour nous faire travailler ça, parce que j'aime mieux demander pour nous aider, pour nous faire. Alors, pour qui ça c'est? Les capitales là, c'était pour salter, nous pas manquer. Les amis, pour agir, Wanamet. Nous commençons Wanamet, c'est pour qui ça? Parce que projet à Anissa nous démarrer dans la ville Wanamet, campagne de sensibilisation du nettoyage. C'est peut-être ça nous gagne 100 paniers, 100 balles qui sont disponibles, mais son programme capable d'ici jusqu'à 10 décembre pour tous 10 départements pays d'Haïti. Nous commençons dans la ville Wanamet après que nous sommes allés avec Yolpayor, passé pour Haïti. Nous-mêmes, dans le rival recyclage CMFP, qui est dirigé par le manager de Mme Christnette Saint-Jean, nous sommes l'essentiel pour nous accompagner groupe jeune Wanamet qui m'a dit nous pour nous ouvrir campagne de sensibilisation du nettoyage dans la ville Wanamet qui a commencé du 15 au 17 octobre si Dieu veut.